Alors aujourd'hui, je vous propose, il y a un petit moment que je n'avais pas fait ça, j'avais fait une évolution pour le Gouv, hein, notamment pour le chef dans tous ses états, pour les 6 prochains mois. Donc j'avais fait ça, ben maintenant ça remonte, hein, ça remonte à plusieurs mois. Donc là, je vous propose, vu un petit peu la conjoncture là, animée, on va dire mouvementée, en tout cas loin d'être sereine, avec des événements que je pressens, bon, je ne suis pas la seule pour cet été, pour cet automne. Hein, en termes d'avis de tempête en été pour l'Assemblée nationale ou d'ici l'été, en termes, etc. Bon, on va voir aujourd'hui, alors on va axer sur ce Gouv. Alors, je vais déjà faire un petit tour d'horizon avec l'œil de lotus. On va déjà voir et après, je prendrai un autre jeu. Alors, en ce 25 mai 2023, que peut-on savoir en fait, comment va évoluer le Gouv Ernement en France dans les 6 prochains mois. Donc, en date du 25 mai 2023, quelle évolution pour les 6 prochains mois pour le Gouv plus loin Ernement. C'est parti. Alors, accident, donc un événement brutal, inattendu, et une route barrée. Bon, alors, vous allez me dire, décidément, on entend depuis longtemps, etc. Moi, je pense comme vous, hein. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même eu des barrières, il y a quand même eu des avancées. Bon, ça change tellement qu'on ne se rend plus trop compte, mais il se passe quand même plein de choses, hein, notamment depuis les dernières élections. Il se passe quand même beaucoup de choses, même si on a eu tout ce qu'on a connu pour la réforme des retraites, etc. Mais rien n'arrive par hasard et justement, tous ces échecs, finalement, peut-être feront avancer les choses dans l'avenir. C'est-à-dire, en tout cas, comme nous disait l'oracle de la Triade, ça participe à une élévation de conscience. Hein. Je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite. Élévation de conscience collective. On a réussi, oui, il y a quand même beaucoup de gens qui prennent conscience de certaines choses et les événements nous y incitent. Hein. Il suffit juste de voir ce qui se passe. Et donc là, moi, j'ai vu une possible dissolution. Il n'a pas été loin de la destitution. Bon, j'avais vu qu'il manquerait des voix, j'avais fait des tirages là-dessus. En tout cas, un avis de tempête à l'Assemblée nationale, je pense d'ici cet été, je ressens qu'on y aura droit. Maintenant, on verra, je peux toujours me tromper, avec des choses qui vont changer d'ici l'automne. Maintenant, là, j'ai demandé pour le gouvernement, on nous dit interdiction, route barrée, accident. Donc, il y a quand même quelque chose d'inattendu qui va se passer, qui va bloquer la route, hein, quand même. Hein. Donc, possiblement pour le chef dans tous ses états. Alors, c'est parti. Évolution du Gouv. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, ça n'a pas d'importance. Alors, conflit, opposition. Ok, dans les jours à venir, là, un événement proche. On va continuer. Donc, pour l'instant, ça tient. Stabilisation. Il y a quand même des gens qui vont faire leur carton. Hein. On va voir à quel niveau. Et notamment une femme. Ah, ok. Bon, alors on va essayer d'approfondir tout ça. Évolution, 6 prochains mois pour le Gouv. Conflit, envoûtement, on n'en sort pas. Hein. Là, ça veut dire qu'on n'en sortira pas de ces oppositions, de ces conflits. Hein. De toute façon, on l'avait vu jusqu'en automne, au moins en ce qui concerne la réforme des retraites. Alors, événement proche, prudence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Des blocages, des barrages, hein. Il y a des actions, hein, des syndicats, etc. Donc là, on est dans au niveau prudence départ. Tiens. Alors, est-ce que ça concerne les départs ben dans les jours qui viennent, on n'est pas encore vraiment en période de départ de grandes vacances, mais ça peut alors nous parler des trains. J'ai vu qu'il se passerait quelque chose aussi au niveau d'action, au niveau des trains. Bon, comme je ne regarde pas les infos, peut-être c'est le cas, je ne suis pas au courant. Alors, interdiction. Ah oui, alors là, on a quand même des. Pour moi, il peut y avoir des blocages là au niveau des trains. Hein. On voit un train et on voit une route barrée. Donc, des blocages dans les jours à venir. Ça peut être au niveau donc de grève. Hein. Ça peut être au niveau donc de la SN plus loin CF. Hein. C'est possible. En tout cas, au niveau des trains. Ben, je vais en mettre encore une. Naissance, route barrée naissance. C'est quelque chose là qui pourra pas se mettre en route. On va empêcher peut-être la naissance de quelque chose, un nouveau projet.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Accord, naissance, accord, naissance, amitié. Ben, c'est peut-être qu'il y a des nouveaux accords, à mon avis. À mon avis, il va y avoir des blocages et des grèves, c'est par rapport à des nouveaux accords. Alors, au niveau des cheminots, ou suite à ces blocages, voilà, donc par rapport à des blocages, ok, comme on vient de le voir, mais suite à ces blocages, ils parviendront quand même à certains accords, puisqu'on a la guérison. Donc, ça risque de porter ses fruits. Bon, alors, au niveau du gouvernement, alors, les choses sont stables. Ça veut dire ça tient. Sagesse, ils vont peut-être un peu, bon, on a du mal à le croire, évidemment, mais peut-être calmer un peu le jeu avec la carte de la sagesse. Fidélité, loyauté. Ah, ok, ils vont calmer le jeu pour se maintenir, mais aussi pour ne pas perdre trop d'alliés, hein. Voilà, des alliés qui étaient très embêtés, tristesse, là, donc je pense qu'ils vont calmer le jeu pour ne pas perdre trop d'alliés, hein, de députés, d'alliés, même au Sénat, etc. Ils vont être obligés un peu, là, d'être un peu plus zen. Alors, on a des personnes qui font leur carton, hélas, alors là, ça peut nous parler, on l'avait déjà vu, ça, notamment de certains athlètes, donc, on avait vu avec ce jeu, et puis celui qui va avec, l'oracle soleil, qui aurait un problème au niveau, je vous avais dit, pas du logement, mais du village olympique, oui, voilà. Et on a vu qu'apparemment, c'est des étudiants qui sont obligés de remballer leurs affaires pour laisser les chambres des étudiants pour ces athlètes, justement. Là, je pense que ça peut vouloir dire ça. Alors, on va voir le karma. Donc, on en passera par là. Ah, dans le mois qui vient, il se passe quelque chose vis-à-vis de ça. Ah, commerce. Commerce, activité, par rapport à ça. Ça va bouger. Ennui. Bon, alors ça va... Bah oui, parce que dans le mois qui vient, les étudiants vont partir en vacances, ils vont préparer aussi pour leur rentrée. Donc, pour les inscriptions, hein, je suppose que pour la rentrée, on s'inscrit avant le mois de juin. Donc là, ça va poser problème parce qu'on va leur dire, bah, votre logement l'année prochaine, il y a un moment donné où ils seront peut-être plus disponibles. Hein, je ne sais pas les dates du... Je crois que c'est été 2024, les JO, mais je ne sais pas, bon... Justement, je ne sais pas. On va peut-être leur parler d'un problème. Là, il y a les ennuis. Hein. Donc, ça va bouger dans le mois qui vient par rapport à ça, si ça nous parle bien des logements étudiants par rapport au JO. Ennui, maladie. Ennui, malaise. Ah, tiens. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Famille. Oui, c'est ça. C'est que ça va embêter les familles. Hein. Donc, il y a bien une histoire là de logement pour, par rapport aux athlètes, par rapport au logement étudiant. Donc, j'avais vu que des étudiants allaient gronder. Donc, c'est vrai que là, ils ont pas mal de raisons d'être mécontents. Alors... Femme, espérance. Alors, espérance, union. Ah, il y a une... Alors, soit c'est la première ministre ou une femme qui espère faire partie du couple exécutif, là, ou qui espère un accord, une union, il y a quelque chose, une décision qui va être prise, ouais. Il y a peut-être une femme qui espère qu'il convoite ce poste, mais une décision va être prise. Peut-être donc pour un changement, ouais, réussite. Pour moi, c'est peut-être une femme qui va obtenir le poste de première ministre, si c'est une femme. Ah oui, réussite, rupture. Et ça, ça pourrait, je vous dis tout ce qui me vient, ça pourrait être lié à la dissolution. Hein. Donc ça, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Alors, j'en remets une et on va passer à un autre jeu. Nouvelle, donc on va bientôt la prendre. Pour moi, si elle se fait cette dissolution, c'est d'ici l'été. Hein. Perte, voilà, il y en a qui vont perdre leur poste. Voilà, bon, pour moi, c'est ça. Alors... je vais peut-être axer sur le chef dans tous ses états pour la deuxième question. Puisque là, ça a été un tirage plutôt. Bah oui, on a quand même vu, hein, on demandait pour le gouvernement. Donc, s'il y a une dissolution, nouvelle première ministre. Ok. Alors, on va essayer de poser la question à l'oracle de l'Atlantide. Alors, c'est bon, j'ai tout. Alors, cher oracle de l'Atlantide. Évolution. Peut-on en savoir plus pour les 6 prochains mois du chef dans tous ses états? Comment va évoluer la situation du chef dans tous ses états dans les 6 prochains mois? Alors, ça, c'est le repos, c'est les vacances, c'est peut-être aussi un renouveau. Alors, on va voir. Alors, 6 prochains mois pour le chef dans tous ses états. Alors, on a le cristal et le poignard. Donc, le cristal, il est transparent. Donc, lumière va être faite. On va peut-être avoir plus de lucidité sur certaines choses. On va y voir plus clair, voilà. Et là, il y a trahison, hein. Donc, peut-être, soit c'est lui hein, qui va être trahi, soit on va encore apprendre hein, des coups de griffe, des trahisons. En tout cas, là, il y a la clarté qui va être faite là-dessus avec la carte du cristal. Alors, évolution. Alors, quand je dis le chef dans tous ses états, je dis son nom dans ma tête, mais vu que je pense à lui, ça va bien le concerner. Alors,
On a le diable, on a le loup-garou, il y a un piège. On a, bon, il continue à voyager, hein, le navire, des déplacements, des voyages. Ah, et bien là, on l'a en réponse, hein, le poignard. Hein. Donc là, c'est bon, c'est une carte très moche qui parle de trahison. On a vu dans la coupe qu'on allait faire lumière, qu'il y aurait clarté, transparence sur des trahisons. Alors, on va voir si ça concerne lui ou si c'est dont il est victime, hein, de trahison. Et une protection occulte. Alors, on va tout recouvrir parce que là, il y a quand même un piège qui lui est tendu. Hein. Alors, hop et hop. Alors, sur la carte du diable qui dit qu'il est mal conseillé, mal entouré, bon, puis c'est une carte qui vous évoquera beaucoup de choses dans le travail. Hein. Donc là, on est bien au niveau du travail. Il a les étoiles, donc une protection. Pour l'instant, il réussit son travail, donc ce qu'il souhaite faire. Alors, mais on avait vu qu'un jour ou l'autre, il y aurait un piège qui lui serait tendu, quelqu'un qui le trahirait. Bon, ça, c'était dans les derniers jeux. Donc là, on va voir. J'ai demandé pour les 6 prochains mois. Ah, piège funambule. Donc là, il sait, il le sait alors. Ça veut dire que des pièges peuvent lui être tendus, qui marchent sur un fil, qu'il est en équilibre. Donc pour moi, ça, ça veut dire qu'il est plus aussi à l'aise qu'avant et qu'il sait qu'il doit maintenir un certain équilibre parce qu'il peut tomber d'un instant à l'autre, hein, on pourrait dire, hein, avec le loup-garou. Hein. J'ai le soleil. Donc pour l'instant, il tient la route, on va dire, hein, malgré l'obligation de faire attention à ne pas tomber parce que sinon un piège lui est tendu. Mais il a le soleil, vous voyez, on a les étoiles, le soleil, donc pour l'instant, il tient la route. Alors, on a, alors, j'ai Churchill là qui est en pleine sieste comme d'habitude. Hein. Vous avez l'habitude. Alors, le navire, on a l'illusion. Donc là, il y a des voyages, il y a des déplacements, mais soit il ne montre pas son vrai visage, l'illusion, c'est quand on fait semblant. Oui, voilà, ok. Lors de ces voyages, de ces déplacements, bah, il va donner une image de lui très sympathique. Hein, ça, c'est les pensées élevées, les aspirations élevées, mais on voit bien que c'est un double jeu. Hein, enfin, on voit bien que ce n'est pas totalement ça. Hein. C'est l'image qui... Voilà, le masque. Voilà. Donc, lors de ses voyages, de ses déplacements, il donne une très bonne image de lui, une très belle image de lui, mais c'est un masque. Hein. Là, ça ne peut pas être plus clair. Alors, le poignard. Ah, et là, c'est lui. Alors, va-t-il être trahi? Va-t-il trahir? Là, ça concerne bien directement l'homme oiseau. Hein. L'homme oiseau, c'est un homme, on va dire, hors sol pour imager. Le retard, quelque chose qui prend du temps. Lui, il va être bloqué. Ok. Donc, c'est lui qui va être bloqué. Alors, par quoi? Comment? L'effort, on l'a vu. Hein, ça va devenir de plus en plus difficile pour lui. Bon, il va être bloqué. Il y a quelque chose, une trahison. Donc, peut-être, on va le trahir. Pour l'instant, ça ne fait que retarder, bloquer. Hein, ça va rendre sa tâche plus difficile. Hein, pour l'instant, c'est ce que ça nous dit. Ah oui, ben, il s'effondre quand même. Là, on a la pyramide effondrée. Hein, voilà. Donc, non seulement ça va s'éprouver, tout va être bloqué. Ça va devenir de plus en plus difficile, voyez. Et après, on a, ça s'effondre, la pyramide effondrée, c'est une chute. Hein, c'est une chute professionnelle, une chute de réputation, une chute. Et comme la ligne commençait par le poignard, donc dans les 6 prochains mois, ça ne va pas être très confortable, hein, malgré encore ses protections, encore quelques voyages, déplacements. Mais là, la réponse, elle est claire, elle est très claire. La protection occulte, le chef, donc il a des protections occultes, le choix. Qui vont, alors, il aura peut-être une opportunité, des décisions ou un choix à faire ou une décision à prendre. La femme du chef par rapport à une femme importante. Une danger par rapport à une femme. Le banquet. Bon, ça, c'est une bonne carte en principe. C'est des réunions, c'est quand on fête quelque chose. Alors ça, ça peut parler d'international. Donc là, ça pourrait être la patronne de l'Europe. Donc là, lui... Ah, alors à moins qu'il vise un poste au niveau de l'Europe, je ne sais pas. Ah ben, il arrivera à son but. Ah bon, alors, il y a une femme importante dans l'histoire, il y a une situation de danger, une proposition qui peut lui être faite. Et là, on nous dit que c'est... vous voyez, on a plusieurs... Ça, ça peut être plusieurs chefs d'État, hein, donc c'est interprété selon le contexte. C'est quand on fête quelque chose, le banquet, c'est une bonne carte, c'est des réunions. Donc pour moi, comme il y a une femme importante, si ça se trouve, il vise le poste de président de l'Europe. Enfin, je vois ça comme ça. En tout cas, c'est une proposition qui pourra peut-être lui être faite où il aura un choix à faire. Mais il arrive à son but, le taureau, il arrivera à ce but-là. Alors maintenant, dans les 6 mois, j'ai demandé, mais maintenant ça peut être, puisque de toute façon, si
sinon il va falloir, sinon c'est un peu tard si on doit attendre les prochaines échéances. Donc ça veut dire qu'il orne peut-être ce poste-là, qu'il risque d'y arriver, parce que là on a quand même la chute. Donc ça fait plusieurs fois que ça nous le dit, hein. Gratitude, il y a des gens qui vont être contents, ça c'est la récompense, la gratitude, mais il va se faire trahir, voilà, et il y a une chute. Bon, mais après il passe peut-être, hein, apparemment oui, au niveau européen. Au niveau du remplacement, ben ça c'est une femme importante. Hein, donc, je vous propose de confirmer ça avec l'oracle vérité que j'avais préparé aussi. Donc, on va voir. Alors, bon, confirmer ses protections du moment, je ne vois pas trop l'intérêt. Les voyages, bon, avec en portant un masque, ok. Alors, cette trahison qui va amener à sa chute là, ce qu'on voit depuis longtemps. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, je remonte tout. Vous puissiez bien voir. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Prospérité pour des questions peut-être d'argent. Tristesse. Bon, c'est des ennuis d'argent qui vont peut-être le faire chuter. Je sais pas. Audace. Des risques qu'il a pris peut-être. Confusion. Bon, ça c'est peut-être sa défense. Hein. Il va peut-être dire que bon, il a pris des risques. Voilà, il va dire j'ai été audacieux. Bon, c'est sa défense. Donc, ce qui va le faire peut-être a priori chuter, puisqu'on a la pyramide effondrée, ce sera des histoires d'argent. Ok, dont il va se défendre. Ok, et alors là, éventuellement, cette proposition pour remplacer une femme importante au niveau, donc peut-être le danger là, c'est quand il va sentir le vent tourner. Hein. Là, au niveau pour moi, bah, c'est de l'Europe, hein, poste d'une femme importante. Il arrive à son but. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ah, indifférence. Tiens, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Renouveau. Indifférence, renouveau. Soit ça peut vouloir dire que ça ne changera pas grand-chose par rapport à la politique de celle actuellement. Ça ne fera pas de différence, hein, même malgré si c'est lui qui prend sa place. Ça, je vois que ça comme interprétation, parce qu'il arrive à son but, donc je ne vois pas pourquoi il serait indifférent. Renouveau, égo. Ah bah oui, renouveau, égo, oui. Bon, bah ça veut dire aussi que peut-être... Alors oui, non, ça peut être ça, en fait, plutôt... Oui, je n'avais pas perçu ça du premier coup. Mais en fin de compte, ça, bon, il arrive à son but, mais on va dire que c'est pas le, ça ne va pas être non plus pour lui le Pérou, parce que ce renouveau, ça va être au niveau de son ego. Voilà, simplement. Hein, donc, pour ne pas perdre peut-être complètement la face. Mais apparemment, il arrive à son but, mais... C'est pas non plus, pour lui, ça va pas être l'extase ou alors le but suprême, parce que ce renouveau, parce que ça va être juste au niveau de l'ego. Je vais en remettre une sur l'ego. C'est indifférence, c'est quand même sa volonté, ouais. Volonté de son ego. Ça va être histoire, vu qu'il va chuter, histoire, voilà, de pas trop tomber dans les limbes, tomber non plus trop... en décrépitude, hein, ça va être vraiment pour son ego, ça dit. Hein. Donc, s'il a cette proposition, il l'acceptera. Mais, voilà, pour lui, ça va pas être... c'est surtout pour son ego, apparemment. Bon, ben, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Hein, c'est cette trahison, cette chute. Ça nous l'a déjà dit. Là, j'ai demandé dans les 6 mois. Donc, il est possible que ce soit dans les 6 mois. Ce qu'on peut faire, c'est poser carrément... Alors là, j'avais voulu approfondir, mais on va poser carrément la question... Parce que j'ai 2 jeux qui sont bien, là, l'oracle vérité et arc-en-ciel, je trouve qu'ils parlent assez bien. Alors, je fais mon petit ménage et je reprends ce jeu qui sera recouvert après avec l'autre, hein, je pense. Alors, on va voir, là, on va demander avec ce jeu, évolution du chef dans tous ses états pour les 6 prochains. Ah, amusement. Amusement. Bon, apparemment, la situation l'amuse. Alors, évolution pour le chef dans tous ses états dans les 6 prochains mois. Alors, prospérité, des histoires d'argent. Hein. Alors, pour l'instant, satisfaction. Bon, pour l'instant, ça veut dire peut-être au niveau budget, hein, toutes les lois qui sont votées, il a satisfaction. Donc, il réussit ce qu'il a entrepris au niveau de l'argent, des finances. Alors, évolution... Pour le chef dans tous ses états, pour les 6 mois qui viennent, inconscience, dépendance, simplicité, mouvement, bonté. Tiens, des choses qui vont bouger, des personnes de bonne volonté,
Il y a une idée de dépendance. Bon, l'inconscience, c'est quand on est hors sol, je pense. Il y a une idée de simplicité. Alors, par dépendance à sa fonction, est-ce qu'il va peut-être donner une image un petit peu plus, on va dire, proche des gens avec la simplicité? Bon, ce sera qu'un masque, évidemment, puisqu'on l'a vu dans le jeu d'avant. Il y a quand même des choses qui vont bouger grâce à des personnes de bonne volonté. Alors, je vais recouvrir une fois avec ce jeu-là et après avec l'autre. Alors, inconscience peur. Ah, quand même, oui, inconscience peur, ça veut dire tout au fond de lui, il n'est pas si serein que ça. Hein. Dépendance, amusement. Ah, ben dis donc, ouais, on a eu dans la coupe. C'est une situation. Je sais même plus quoi dire. Dépendance, amusement. Une certaine dépendance par rapport à ce poste, ses fonctions, grâce auxquelles il trouve un certain plaisir, hein, amusement. Moi, je vois ça comme ça. Et c'est cette fonction qui lui plaît, en fait, hein, dont il est dépendant. C'est la, ben, peut-être tout ce qui est autour, hein, les facilités, le pouvoir. Hein. On voit qu'il y a une idée de dépendance, mais l'amusement, c'est peut-être pour tous les avantages. Voilà, on va dire ça comme ça. Plaisir que ça peut procurer. Alors, simplicité, lâcher prise. Oui, là, il va essayer de donner une image. Alors, ça fait deux fois que ça le dit, notamment lors de ses déplacements, là, les bains de foule, de casserolade. Mais on voit qu'il va essayer de donner une image un petit peu plus, on va dire, simple, entre guillemets, ou proche des gens, plutôt, j'interprète. On lui a peut-être dit de lâcher un peu, là, hein, de lâcher du lest, hein, par rapport à son attitude, je pense. Mouvement, donc ça va bouger. Tristesse. Ah, ça va bouger, mais pas dans un bon sens pour lui. Passivité. Voilà, ok. Mouvement, tristesse, passivité, ça ne va pas aller assez vite, ça ne va pas aller dans le sens où il veut, ça ne va pas aller comme il veut et ça va l'embêter. Hein, on a vu que quand même, malgré tout, même s'il n'y a pas eu de motion de censure, c'était quand même de plus en plus difficile pour lui de faire voter toutes ses lois. Voilà, il est plus libre de faire ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. C'est assez clair. Alors, les personnes de bonne volonté, la cohérence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, je vais changer de jeu. Concret. Oui, il y a des personnes vraiment là au niveau... donc, des personnes cohérentes, intelligentes, de bonne volonté, qui vont là... faire des actions, mener des actions, on est dans le concret. Intuition. Alors, il en a l'intuition, puisque c'est son jeu. Donc, il sait quand même, voyez, ça nous le disait dans le jeu d'avant, je pense qu'il n'est plus du tout aussi serein. D'ailleurs, là, ça le dit déjà au niveau de ses actions, mais il n'est pas aussi serein non plus. Il sait qu'il y a des personnes qui peuvent quand même essayer d'agir. On a le concret. Alors, on avait vu, il y aurait des avocats constitutionnalistes. Ah, ben dis donc. Inertie, clarté. Voilà, c'est ça. Il sait qu'il ne peut plus faire grand-chose. Inertie, clarté, il a pris conscience qu'il ne pouvait plus faire grand-chose au niveau de faire voter ses lois. Et je pense que c'est suite à la réforme des retraites, vu tout ce qui s'est passé, les 49.3, les rejets de tout. Là, il sait que maintenant, il est bloqué. C'est ça que ça veut dire, c'est assez clair. Bon, allez, on va étaler le jeu. On va continuer. 6 prochains mois. Pour le chef, tous ses états. Hop, hop. C'est parti. Inconscient, la peur. Ah oui, on l'avait là. Là, c'est quoi? C'est, on ne voit pas très bien, c'est le changement. Ah voilà, changement. Donc, inconsciemment, il sent que les choses bougent. Changement. Hein. Donc, il y a des inquiétudes quand même tout au fond de lui, que les choses bougent, évoluent. Dépendance, amusement, énergie. Voilà, ça lui donne beaucoup d'énergie. Ce poste, ses fonctions, ça l'amuse, ça lui plaît. Et c'est de ça dont il est dépendant. Ok. Ensuite, on a simplicité, lâcher prise, c'est l'image. Ah bah, destruction. Là, c'est-à-dire qu'on a dû lui dire, il faut essayer de changer l'image parce que là, tu as détruit ton image. Hein. L'image, là, elle est détruite, là, elle est défaite. C'est pour ça qu'il va revenir à plus de, je pense, de vouloir faire plus de contact au milieu des gens. Mais on a vu dans le jeu d'avant qu'il porterait un masque. Donc, ça veut dire que les gens ne seraient pas dupes. Là, on voit que l'image, elle est vraiment abîmée. Alors ensuite, oui, là, il est embêté parce qu'il ne peut plus avancer comme il veut. Il a clairement conscience des choses qu'il ne peut plus avancer comme il veut. Ah bah, illusion. Voilà, clarté, illusion. Il ne se fait plus d'illusion là-dessus. Là, je pense que c'est assez clair dans sa tête qu'il ne peut plus bouger comme il l'entend. Hein. Là, passivité, liberté, inertie, clarté, illusion. Il sait que là, clairement, il ne peut plus bouger comme il l'entend. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense, qu'il va demander à dissoudre. Bon, là, c'est encore autre chose. Alors, des personnes de bonne volonté cohérentes qui veulent engager des actions concrètes et on a l'intuition.
Ouais, l'intuition, spiritualité, voire même des personnes hein, de son entourage ou qu'il consulte, qui doivent le mettre en garde et le prévenir. Hein, peut-être qu'il consulte des médiums, des voyants, qui lui disent attention, il y a des actions, là on a quelque chose de concret, des choses qui se mettent en place, et il le sait, parce qu'il en a l'intuition, parce qu'on lui souffle aussi à l'oreille. Hein. Union. Ah, des gens qui vont se mettre ensemble. Ouais. Des gens qui vont se mettre ensemble. À moins que ça concerne son union, je ne sais pas. Bienveillance. Non, c'est ça, c'est des gens. On lui dit qu'il y a des gens qui s'unissent, voilà, qui vont s'unir dans la bienveillance. On voyait des gens, la bonté. Voilà. Là, il y a du concret par rapport à des gens qui veulent agir. Et il le sait. J'en mets encore une. Aventure. Oui, ben, il sait pas trop. Il sait qu'il y a des gens qui veulent agir, qui vont agir hein, concrètement, mais il ne sait pas vraiment comment. Hein, c'est pour ça qu'inconsciemment, là, ça le tracasse. Il ne sait pas encore comment. Aventure, voilà. Donc, on a vu, alors, Gelbéline, je vous propose de demander, ben, là, simplement par oui ou par non, si c'est dans les, si c'est pour les 6 prochains mois, là, la pyramide effondrée qu'on a vue, là, cette chute. Est-ce que le chef dans tous ses états dont je dis le nom dans ma tête, est-ce que la chute qui le concerne, pyramide effondrée, la trahison, est-ce que c'est pour les 6 prochains mois? Alors, on a les attributs du pouvoir. Est-ce que c'est pour les 6 prochains mois? Je vais faire un tirage en croix. Je vais tout pousser parce que sinon ça va être trop brouillon. Voilà, on va mettre ça de côté. Est-ce que c'est pour les 6 prochains mois? Tant que je suis dans ce tirage-là, je reste concentrée là-dessus. Alors, on va voir si c'est oui ou si c'est non. Des découvertes, des discussions, malaise, renommée, malaise. Sa réputation va prendre un coup. Hein. Ça, c'est sûr. Là, sur la renommée, le malaise, ça va prendre un, sa réputation va prendre un coup. Bon, c'est déjà le cas, mais là, j'ai demandé pour les 6 prochains mois des découvertes. Des découvertes, méchanceté, donc encore des choses mauvaises, de mauvaises intentions, du passé qui vont remonter, donc encore des découvertes, discussion, changement, invitation, des réunions, bon ok, et la renommée, ça c'est sa réputation, alors qu'est-ce que ça nous dit pour les 6 mois qui viennent? Déprime, ça c'est la déprime. Alors, est-ce qu'il va dire, ben, je ne suis pas très bien, je suis surmenée, ou voilà, burn-out, des choses comme ça, parce que c'est deux cartes qui parlent de déprime. Là, qui parle de la paix, c'est l'apaisement, c'est le repos. Alors, entre guillemets, il ne va pas se mettre en arrêt maladie, mais vous voyez, c'est l'idée comme ça. Les questions d'argent, elles sont là. Allez, j'en remets encore deux. Les 6 prochains mois, il n'y a pas de rupture franche, là. Hein, c'est ce que je voulais savoir. Réussite financière ou réussite au niveau du budget, des finances. Ah, elle est là quand même, la fatalité. Ah, elle est là. Alors, ce qui pourrait mettre fin à ses entreprises, à son activité, ce serait un coup de déprime. Alors, est-ce que c'est possible qu'un président... bon, ce serait l'excuse parce qu'on a vu que derrière, il y avait d'autres choses, mais est-ce qu'on a vu, est-ce que ça existe bah, de dire, je ne sais pas, il se met en arrêt parce que... moralement, burn-out, choses comme ça. Voilà, hein. Là, c'est deux maladies. L'eau, c'est vraiment sur le mental, c'est le malaise, c'est la déprime. Déprime, bon, on peut même dire dépression, je ne sais pas. C'est ce qui va mettre fin à ses activités. Alors, la fin, ah ben oui, ouais. Mais de toute façon, il y a bien les ennemis autour, il y aura bien, on a vu, hein, le piège qui serait tendu, trahison. Mais ça, c'est peut-être l'excuse invoquée. Bon, ben, on arrive à en savoir un petit peu plus. Là, c'est sur les 6 mois, j'ai demandé. Ok, donc d'ici là, ça devrait ressortir dans les jeux. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.